Karine Jupin, un mot, plus qu'un mot d'ailleurs, sur la Banque de France qui donne un accès bancaire aux personnes les plus démunies. Parce que, dans les missions de la Banque de France, il y a le fait de favoriser l'inclusion financière. Donc, on est vraiment dans le sujet de la cohésion. C'est la possibilité d'avoir accès à un compte avec des services dits de base. Et donc, les services dits de base, c'est une carte bancaire, mais avec un plafond, consultation du solde. D'accord. C'est le fait de pouvoir retirer, verser de l'argent à un guichet, le fait d'avoir deux formules de chèque de banque par mois. Donc, c'est en fait un compte extrêmement sous contrôle. On peut dire ça comme ça. C'est ça. C'est un compte sous contrôle. Et donc, toutes les personnes, toutes physiques, mais aussi toutes les entreprises ont le droit à ce compte bancaire. Vous êtes aussi opérateur national en matière d'éducation financière. Ça se traduit comment ? Donc, en fait, ce rôle d'opérateur national, c'est de la coordination des différents acteurs. Et en fait, c'est des sessions de formation ou d'information en matière d'éducation budgétaire et financière, dans l'objet de faire monter notre niveau de connaissances moyens en matière de pratique aussi sur ces sujets financiers. Donc on a différents publics, différentes cibles qui vont des collégiens, mais c'est aussi on accompagne aussi les travailleurs sociaux pour qu'ils maîtrisent bien toute la procédure de surendettement pour accompagner les personnes en situation difficile, aussi auprès des chefs d'entreprise par rapport à des sujets d'analyse financière. Voilà, donc c'est sous forme de jeu, on a des jeux de plateau, c'est sous forme ludique, ça fonctionne plutôt bien. Merci.